Thank you.
Bye.
Don't forget your love, don't forget your soul.
Yeah.
Thank you.
I'm
Mais il y en a aussi qui vont ressusciter pour l'opprobre, pour la honte éternelle et bien-aimée. Rien que par rapport à Daniel 12, verset 2, nous devons nous accorder. Et j'ai dit que dans la Bible, il y a la Bible, Zambi na Yidika, Zulu na Toto, Zambi na Salak, Betovanda Moyo, celui qui nous a donné le souffle de vie. Il dit ceci, que nous tous, nous allons un jour mourir. Mais Betovanda s'est préparé. Donc, je suis en train de parler à tout ce monde-là. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous allons partir, mais où est-ce que... Elle me dit, ah, il y a Samy Noël, le grand bobo, Chinou, elle nous a vite quitté. Ça peut arriver pour certaines personnes que ce soit Christ. D'autres personnes AVC, d'autres personnes après une longue maladie, d'autres personnes vont pouvoir fuir, d'autres personnes accident. Alors, bien aimé, je suis en train de te préparer. Bien amour, vous avez campé. Comment cela va se passer? Le souhait de tout le monde, c'est de vivre longtemps, c'est de vivre. Alors on pleure, on se pose des questions, le cœur est déchiré, que vraiment il y a de quoi se réagir. Et bien aimé la première Jésus, singement dit ma Christ comme Seigneur et Sauveur, il dit ceci, tu as la vie éternelle. Et ne viens pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie, selon Jean 5, verset 24, bien-aimé, Jésus offre la vie éternelle. Bien-aimé, pendant que tu es en train de respirer, tu es en train de marcher à Brazzaville, pendant que tu es en train de marcher à Bakongo, à Potopoto, à Mongali, bien-aimé, c'est possible que tu aies la vie éternelle. On n'aura pas la vie éternelle après la mort. On n'aura pas la vie éternelle que quand les gens vont faire une messe pour moi, la manie mangati Dieu Kuzulu, bien-aimé, ce n'est pas ce que la Bible est en train de dire. Je ne suis pas en train de prêcher une église ou bien un homme, je suis en train de dire ce que dit la Bible. Ce n'est pas après le foi quelque chose de la vie éternelle. Parce que Marc 12 est en train de faire savoir au verset 27 et 28, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Si le métal de l'Isso, il n'y a plus de possibilité d'avoir la vie. Pour toi qui est une maison, tout ce qu'on va faire pour lui après, si on s'en dit, il n'a pas accepté Jésus, on va lui faire une maison avec la vie. Thank you.
ça. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Kalama pasi matuni ni makaba tini ni Kalama tasi matuni ni makaba chongele ya ya Masai kwa imunu tundanga Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Si nous sommes réunis ici, c'est pour entourer de notre affection, sympathie, amitié, ceux qui sont dans la peine. En ces instants d'épreuve, supplions le Seigneur qui s'est chargé de nos douleurs de rester avec nous. Prions le Seigneur. Seigneur, tu accueilles toute vraie prière et tu connais aussi les demandes de nos silences. Nous te prions pour maman Sabine qui nous a quittés, qu'elle trouve auprès de toi la paix et la joie avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Jésus-Christ, dans ses mains, pour les obsèques, ou que ce soit pour les mariages à l'église.
Il ne faut pas oublier que la messe ne fait pas seulement partie du programme qu'il faut suivre, mais la messe est notre vie. C'est très important de signaler cela parce qu'il se peut que nous pensions que la messe est un formalisme. Nous venons faire ce qu'il faut faire et par la suite, nous passons à l'Église catholique. Elle a reçu ses sacrements dans une église catholique et nous lui disons un dernier adieu dans une église catholique, ce qui est tout à fait normal. C'est le sens de la tradition des signes que nous avons fait au début de cette messe. Le vêtement blanc, en signe de pureté, d'innocence, la lumière, pour montrer que, évidemment, le jour de son baptême, depuis ce jour-là, elle a accepté le Christ. Et les fleurs, pour nous montrer que nous, nous avons du mal à nous exprimer. Parce que l'affection, cette affection. Comme je le disais, les textes sont placés sous le signe de la miséricorde de Dieu. Et nous voyons déjà dans la première lecture que nous avons écoutée, comment j'ai fait du mal au Seigneur. J'ai blessé le Seigneur par son comportement. Il s'est humilié. Il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti de ce mauvais comportement, de cette prise de possession illégale d'un domaine. Pourtant, lui qui était roi, il avait beaucoup de domaines. Mais il a voulu prendre aussi le domaine de quelqu'un qui n'avait que ça pour vivre. C'était un domaine laissé par ses parents. Ceci pour dire, frères et sœurs, que quelque part, s'il y a parmi nous des gens, peut-être moi-même, je n'en sais rien, mais si peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui a eu, qui a les intentions de prendre possession de manière illégitime d'un domaine qui ne lui appartient pas, eh bien, n'oublions pas que le Seigneur nous voit. N'oublions pas que le Seigneur nous condamne. N'oublions pas que celui qui est miséricordieux est aussi justice. Il fait justice. Invitez, frères et sœurs, à faire attention. Parce que notre vie est très courte. Facilement, nous pouvons perdre la vie à la bonne occasion. Pour un rien, nous pouvons perdre la vie. Mais si nous perdons notre vie en étant la paix du Christ, amen. Aujourd'hui, ce sont les suppliants et les suppliants qui ont supplié le Seigneur. Elle était dans la supplique. Supplique, c'est supplier. Elle a supplié le Seigneur pour les intentions des autres. Elle a supplié le Seigneur pour toutes les personnes qui demandaient de prier pour elle. Et aujourd'hui, nous sommes invités à supplier le Seigneur, à supplier pour elle. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à prendre conscience que lorsque nous avons péché, mais lorsque nous repentons, repentons-nous sincèrement. C'est une adresse, c'est une invite qui est faite à chacun d'entre nous. Prions les uns pour les autres, prions pour la famille qui perd des péchés, prions pour la supplique, prions pour chacun de nous, afin que cette épreuve de la mort nous fasse prendre conscience que la vie est très belle et que par la suite, il ne faut pas faire du mal au prochain. Dans la vie, ne fais du mal à personne, car la vie est un perpétuel devenir. L'homme à qui tu fais du mal aujourd'hui pourrait se retrouver sur ton chemin le jour d'après. Je pense que vous connaissez cela comme ton pasteur, comme ton pasteur. Que le Seigneur nous prenne en pitié et il prenne aussi en pitié l'âme de maman Sabine. Amen. Amen. Prions avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Oh,
Christine Zumba et pour tous les défunts de sa famille, en particulier ceux et celles que nous avons connus et aimés. Accorde-leur de trouver une place dans ta maison. Pour la famille de Salim, qui vit un moment de grande douleur et de peine, et pour tous ceux qui pleurent un être cher, et suis-leur là et fortifie leur espérance. Seigneur, nous te prions.
lui-même, après le repas, il fit la coupe, une coupe rendue grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, prions les Seigneurs, amour et
prions pour maman Sabine qui vient de quitter cette vie. Permet de purifier par cette charité et dégager de ses forces qu'elle connaisse les joies de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Et quand je dis que la prière n'a pas été faite au début, exceptionnellement, au moment de visiter la lumière, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh,
Samedi, dimanche, tu es parti. Yabina, qui m'a mousse comme un boulot, m'a mis un béton gourou. Tout le zolo n'a qu'à te faire la babana. Yabina, que j'ai pas vu la jambe aux autres, que la terre te soit légère. Ma belle, mon belle. C'est vraiment une très mauvaise blague. Que l'amour demeure dans notre famille. Que nous soyons toujours unis comme tu l'as toujours souhaité entre nous et les enfants. Il y a que le Seigneur t'accueille dans sa sainte demeure. Je vous présente ma fausse Genève, ma grande sœur. Adieu Yabina. Non, pas trop le noir, quoi.
Allô? Ok, allô, tu bouges quoi? Ah? Ninguém está, não. Vamos ter que ver.
Parce que ma tante, parce qu'elle est vive. Oh,